Bienvenue dans l'After School. L'After School. L'After School. C'est tous les jeudis, 20h-22h, en direct avec Sarah. Sur BL. Et oui, aujourd'hui, tel un officier de police ultra sexy en débardeur lycra par qui on rêverait de se faire menotter contre un mur, ou inspecteur Derrick, à vous de voir ce qui vous excite le plus, j'ai envie de vous poser cette question. Avez-vous pensé à fermer vos fenêtres avant de partir? Oui. 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 Cool. Toujours. Oui. Non, parce que je vais pas vous parler de fenêtres, hein. Bien qu'en ce moment, ils font de super promos chez la paire. Moins 30% sur les vasistas. Vasistas ? Et il n'y a pas besoin d'être allemand pour en bénéficier. D'ailleurs, j'ai appris en préparant cette chronique qu'on disait vasistas et pas vasislas. Parce que moi, depuis le début, je dis vasislas. D'ailleurs, chez moi, j'ai fait installer un vasislas. C'est peut-être pour ça qu'il pleut dans mon appartement. Bref, où j'en étais ? Fenêtre. La paire ? Il y en a pas deux. Cambriolage. Waouh ! On vient de faire un pyramide et personne ne s'en est aperçu. À part peut-être Patrice Lafont s'il nous écoute. Ou Pépita. Car oui, c'est bien de cambriolage dont je suis venue vous parler. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a un cambriolage toutes les 90 secondes ? Ah bon ? Ah ouais. C'est-à-dire qu'en ce moment même, il y a peut-être des cambrioleurs qui nous écoutent dans leur fourgonnette. Et ben moi, j'ai envie de leur dire « Pose ce téléviseur, Francis ! Et rends les bijoux ! Fais pas le con, Francis ! Tu le sais que c'est pas bien de voler ! Même si c'est Kim Kardashian. » Non mais ça vous fait pas peur, vous ? Un cambriolage toutes les 90 secondes ? C'est ouf ! Ouais. Ça veut dire qu'en ce moment, ils sont peut-être chez toi. Ou chez oh toi. Non. Ou... non, pas chez toi, Sarah. Toi, je sens que t'es plutôt le genre de nana à avoir un Doberman chez elle qui crie famine. Ah. Ou une concierge poilue, ce qui est tout aussi dissuasif. Elle est portugaise. C'est ce que je viens de dire. Oh. Moi, je vous parle de ça parce que j'ai été victime d'un cambriolage il y a 3 semaines. Ouais. Enfin non, c'était une tentative de cambriolage parce qu'ils n'ont rien volé. Parce qu'en fait, j'étais là. Ah ouais. Ouais, après, ils auraient pu me voler, moi, pour revendre mes organes. Mais franchement, ils n'auraient pas fait une bonne affaire. J'ai le côlon très irrité, une toute petite vessie. J'ai une autonomie d'environ 1 heure. D'ailleurs, je viens de me faire dessus. Non, vous inquiétez pas, ça sèche vite. Bref, je vous explique ce qui s'est passé. J'étais tranquillement chez moi sur mon canapé, en train de lire un livre avec des pages. Lorsque tout à coup, je vois quelqu'un dans ma salle de bain. Un quart de seconde, j'ai cru que c'était l'ouvrier d'à côté. Mais ça, c'est parce que je regarde trop de films porno. Et en fait, pas du tout. Non, c'était un cambrioleur, sans doute attiré par l'odeur alléchante de mon bac à linge-châle. À ce moment-là, je cours vers lui, telle une athlète de haut niveau qui ne se serait pas entraînée depuis toujours. Et je lui dis « Toi, qu'est-ce que tu fous chez moi ?» Alors, le mec ne s'appelle pas « Toi ». C'est juste que je connaissais pas son prénom. Mais j'ai dû l'impressionner parce qu'il a pris la fuite par le vasislas que j'avais laissé ouvert. À ce moment-là, mon premier réflexe a été de vérifier que toutes mes petites culottes étaient saines et sauves. Enfin saine, façon de parler. Et de refermer mon vasislas. Tout s'est passé tellement vite que j'ai même pas eu le temps de voir à quoi ressemblait mon agresseur. Je sais juste qu'il avait une queue de cheval et des Santiago. 10 minutes plus tard, les flics sont venus m'interroger. Conclusion de l'enquête, la victime, c'est-à-dire moi, agressée par le sosie de Francis Lalanne ou Francis Lalanne lui-même, aurait dû se faire installer un vasistas au lieu d'un vasislas et apprendre l'allemand. Nous lui recommandons donc le modèle La Paire Michel. Merci qui ? Merci la police ! Wouhou, merci de m'avoir écouté ! À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.